Parmi les prétendants au classement général, qui ont perdu un petit peu de temps, on peut citer Egan Bernal à 14 secondes et Richard Carapaz à 15 secondes. Ça ne devrait pas avoir une grosse influence sur le classement général, à moins que celui-ci se joue effectivement à la seconde. On ne peut pas dire qu'il y a vraiment quelqu'un qui a gagné ou perdu sur ce premier. Alors, les écarts.